Alors, bienvenue dans le premier vidéo de cette série sur l'art de la pleine conscience. La pleine conscience est avant tout une technique qui vous permet de relâcher les tensions intérieures, de calmer votre esprit et de trouver plus de paix, de vitalité et de joie dans votre cœur. Alors, je vous invite tout de suite à commencer une première expérience de pleine conscience qui est en même temps une métaphore sur le pouvoir qu'on donne sur les choses extérieures à soi. Ça va être un exercice de pleine conscience et d'attention sur les bruits qui vous entourent. Alors, préparez votre esprit à accueillir avec bienveillance tous les bruits qui se manifestent autour de vous. C'est une belle métaphore parce qu'en même temps, le bruit peut être perçu comme tous les événements et les situations dans la vie qu'on ne veut pas, qu'on n'attend pas, qui nous agressent, qui nous impatientent. Et cet exercice-là nous permet, parce que parfois aussi, c'est difficile d'endurer les bruits et les distractions de l'extérieur, nous permet de générer une capacité d'accueil et un esprit qu'on appelle équanime, ce qui veut dire qu'il ne sera pas troublé à travers les différents bruits, les situations et les contextes différents dans lesquels vous allez traverser ou rencontrer à travers votre journée. Alors, asseyez-vous confortablement. Vous pouvez, dans l'art de la méditation, allumer un encens, mettre une musique que vous aimez, tamiser l'éclairage. Créez un rituel qui vous enchante et qui apporte un peu d'émerveillement avant de méditer, ça l'aide et ça l'inspire beaucoup. Alors, un coup que ceci est fait, je vous invite à fermer vos yeux, prendre quelques grandes respirations, exactement comme ça. Merveilleux. Et maintenant, tout simplement, entrez à l'intérieur de vous-même. Entrez à l'intérieur de vous, laissez se dissiper et disparaître toutes les pensées à la surface de votre esprit. Merveilleux. Accordez la permission à votre corps de se détendre, juste dans cette intention. Accordez l'intention à votre corps de relâcher toutes les tensions, exactement comme ça. Et maintenant, tout simplement, restez attentif à votre respiration. Juste comme ça, tout naturellement, pratiquez la présence en apprenant à rester dans cette respiration-ci, sans vous préoccuper de la respiration qui vient de passer, ni celle qui s'en vient. La respiration est un ancrage extraordinaire dans le moment présent. Et maintenant, juste comme ça, pour 2 minutes, et vous pourrez continuer l'exercice comme bon vous semble par la suite, ouvrir votre conscience à tous les bruits qui vous entourent, quels qu'ils soient. Juste accueillir dans l'espace de la pleine conscience sans commenter, sans juger, sans résister d'aucune façon. Faites juste accueillir tous les bruits, les sons qui se présentent à votre esprit en ce moment, maintenant. Et si votre esprit est distrait et vagabonde, faites juste ramener votre esprit doucement à l'attention et à la conscience des bruits et des sons qui vous entourent dans un état d'accueil, de bienveillance. Dans la méditation, ça ne sert à rien de se crisper
de se juger ou de se critiquer. Si votre esprit est distrait, souriez intérieurement et amenez un sourire sur vos lèvres et recommencez tout simplement l'exercice. C'est exactement ça, l'art de la méditation. Exactement comme ça. Et vous pouvez continuer ainsi de suite l'exercice en conservant cet esprit de paix, de calme et d'accueil pour l'ensemble de votre journée qui s'amorce peut-être, en accueillant tous les événements, toutes les circonstances, toutes les situations que vous contrôliez ou pas, dans un esprit d'accueil, de bienveillance et d'ouverture. À la prochaine méditation!